Hey, yalla à tous mes amis, c'est Valentin et j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'habitude ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode du SP sur Captain Todd Treasure Tracker. Et dans le précédent épisode mes amis nous avons fait nous avons essayé de finir le deuxième livre mais malheureusement on a eu un petit bug au dernier niveau parce qu'en fait on était en train de faire le dernier niveau mais malheureusement on est tombé dans le poison et on a recommencé au dernier checkpoint et je voulais pas qu'on recommence à partir de là, car je sens que c'est une mission avec des pièces et tout. Mais voilà. Donc du coup, mes amis, c'est reparti pour ce niveau. Alors pourquoi je fais aujourd'hui, mes amis, samedi? Parce que j'ai du temps, donc je me dis, allez, hop, on va en profiter et tout. Hop. Bon, on en profite. What the... Attendez, moi je vais recommencer le niveau parce que j'ai perdu mon navet. Je sais pas si on avait deux, mais ce qui est sûr que c'est que j'en ai, j'allais dire, j'en... Bon, déjà le premier, j'avais lancé ridiculement, donc voilà. Allez, on va y arriver, mes amis, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on fait un peu n'importe quoi, c'est tout. C'est juste ça la raison, vous inquiétez pas. Eh bien, deuxième navet, c'est juste que j'ai appuyé ridiculement comme un idiot. Et je me suis fait toucher, donc on recommence parce que il y a le champignon là qui vaut 10 petites pièces. Donc désolé si je recommence à chaque fois, c'est parce que je fais un peu n'importe quoi, on va dire. Allez, go, go, go. C'est bon, c'est passé. Ah mince, il faut juste aller en dessous. C'est vrai. Voilà. On est bien. On a 56 pièces. Là, on doit y arriver. J'aime bien comment je fais, Toadette. Hop là. Alors, on a 62 petites pièces, c'est pas trop mal. On va récupérer les pièces qu'on a fait. Hop, ici, voilà. Là, on a 74 pièces, on va dire que c'est correct, ça va. Une petite pause ici. Alors on va avoir 100 pièces mes amis. Je crois qu'on avait juste un peu avance et 100 pièces dans où on en était. Là on va en avoir 100 dans 2 pièces. Je sais pas si on avait la même chose la dernière fois. Allez, let's go mes amis. On a bientôt fini le niveau. Faut juste qu'on reste concentré, c'est tout. Allez, on n'a plus le droit de se fail vraiment. Ah là par contre il y a un génie. Il n'a pas le droit. Il n'a pas à se toucher, on va juste faire un petit. C'est bon. Oh. Oh, il déconne encore un petit peu mon stick. C'est pas de ma faute, désolé mes amis. Vu quoi lui?
Hop. Je suppose qu'il n'y a plus rien. Voilà. Je sais pas s'il y a des pièces en plus, mais j'espère qu'il en faut pas 180 parce que j'ai un peu seum, je crois. Mais voilà, mes amis, nous avons fini ce niveau. Plutôt ce deuxième livre, et j'espère qu'on l'a fait à 100% parce que. Voilà. Non, il va se passer quoi? Oh non, il est encore là, lui! Oh non, il reprend Toadette, mais en plus, regarde, elle est toute petite. Elle va se faire pousser hors du niveau. Non, mais laisse tomber, ça sert à rien. Ah là là, Wingo, pourquoi t'as fait ça? À suivre. Ah, troisième livre, mes amis, ce qui veut dire à suivre. Yes, c'est bon, il nous fallait 170 et mes amis, nous avons fini le deuxième livre à 100% parce qu'il monte objectif temps. Donc du coup, bon, par contre, si je ferais objectif temps de mon côté, sûrement, je pense, je vais pas en faire un épisode spécial. L'épisode 3 est désormais disponible. Ben, je suis content, mes amis, parce que ça y est, on va enfin attaquer le troisième livre. Nous avons le 100% sur le premier et le deuxième livre. Et du coup, attaquons le troisième livre, mes amis. C'est parti. Évidemment il y a Todd, ouais évidemment, oui, bon, même si on gagne pas les pièces maintenant, on essaie quand même d'en récupérer si je me rappelle bien. Il y avait un petit passage ici et au milieu, non, si je m'en souviens bien, voilà, il y avait bien ça. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Mais là, il y a que Todd. C'est un peu bizarre. Pourquoi il n'y a pas Toadette? Ah, mais elle est là! Elle est là, j'avais pas vu. Alors, par contre, mes amis, je vous annoncerai que je ferai un live sur Captain Todd Treasure Tracker pour le boss final. Donc pour affronter la dernière fois Wingo, vous inquiétez pas. Allez, il faut retrouver Toadette, ah bah évidemment. Oula, wow. Oh, c'est déjanté là le truc. Bon bah non, on désactive déjà ça. Comme ça on est tranquille. Du coup c'est parti pour le premier niveau de ce livre 3, Rouleaux Infernaux. Je suis impatient de découvrir ce troisième livre. C'est parti, mes amis. Alors, déjà, il bouge plus. C'est plutôt bien. C'est plus. Ah, mince, c'est même pas où il fallait aller. Alors. Oula, attends. On va attendre un petit peu parce que voilà. Ah, attendez, il y a un petit passage, je viens juste de le voir. Il y a un passage. Ah, ok, c'est pour avoir la première gemme. Juste là. Alors, le truc qui est bien, c'est que là, il s'est arrêté, Todd. Alors, il va falloir. Voilà, là, c'est ça qui est fait déjà. Ah non, il s'est pas arrêté. Il y a une gemme là, voilà, prendre, et du coup il faut aller ici, où il y a le machin. Ouh, c'est quoi ça? Ok, non, mais c'était pour voir.
Oh là là, un petit peu de triche là, je vous le dis mes amis, si t'as envie de finir le niveau rapidement là, tu fais ça, ben voilà. Donc, il faut combien de pièces? 75, c'est bon, nickel. Parfait. Let's go pour la brûlante bascule. Ah, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce petit niveau. Oula. Je zoome un petit peu parce que c'est vrai que j'avais pas vu. Là, par contre, je vous avoue que j'ai pas vu qu'il y avait ça. Voilà, hop, voilà. Tout le monde est bloqué par un petit mur, donc c'est plutôt bien ça. Oula. Oh! Ah, attendez. On va d'abord l'éliminer, comme ça on sera tranquille. Voilà. Du coup, là, il faut retourner. Ok. Du coup, là, il n'y en a plus. On va dire que c'est plutôt tranquille. On va voir c'était quoi la mission, sinon on la refera. Oh non, il faut tout éviter. Oui, au fait, mes amis, je vous annonce qu'il n'y aura pas de live ce week-end parce que je ne serai pas là. Mais du coup, les épisodes de Captain Toad et de Splatoon 2, je les poste sur ma chaîne, évidemment. C'est pas. Oula, j'ai peur, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai encore fait et tout. Voilà. On n'était pas loin de se faire tuer. Alors, on a encore plus que deux étapes, mes amis. Faut juste les dépasser. On va attendre que cela est fait. Non! Oh, punaise. On va se tuer, mes amis. On va se tuer dans la lave. Parce que il sait pas ce qu'il fallait faire. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est juste attendre juste derrière le Spike. Et après, ben. Ça, au moins, j'aurais été tranquille. Là, ce que j'ai fait, c'était pas très ingénieux de ma part. Oh non, 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 non. Punaise, attends. Y a pas une autre technique que quand je vais là. Punaise. Ouais, quand j'aurais fait un fail, eh ben, je dis un fail pour la mission, eh ben, je recommencerai la mission. Un petit endroit là. M'en fous. Puis on fonce comme ça, on fonce dans le tas et puis voilà. Bon alors comment. Hop. Bon là c'est passé. On a juste à attendre voilà, que cela est passé. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah. Ah zut. Oh! Oh l'esquive! Incroyable cette esquive de la mort. Oh, par contre, là, je sais pas comment on pouvait pas se faire toucher par un spike. Hein. Au moins. Donc là, on les a tous épargnés, donc ça veut dire qu'on n'a pas écrasé un seul spike. Et du coup, on va passer à bloc et bip dans les airs. Let's go, mes amis. To my friend. Ok, c'est le rythme.
Bon, ça, le rythme est pas hyper. Le rythme n'est pas hyper rapide, donc c'est plutôt bien. Je me sens. Dommage qu'on peut pas aller en rythme avec la musique. Oh non, ça fait toucher. Je suis un peu d'aigle. Sur ce coup, je suis un peu d'aigle. Mais c'est de la torie. Juste attendre tout en haut, comme ça on sera tranquille. Oh, juste à la fin. À mon avis, la mission n'était pas donnée, je pense. À mon avis, ça a dû être un truc sans faire de dégâts ou un truc comme ça, je pense. Donc, du coup, je pense qu'on va la refaire. À mon avis, je pense que ça va être un genre de mission comme ça, ouais. Terminer sans subir de dégâts. Bon, on va la refaire, hein. Et après, on fera un niveau 4 et je pense qu'on s'en arrêtera là. Ah punaise. Ça m'énerve ce genre de truc. Là au moins on est tranquille, on est posé. Oh, la limite. Non! Il a monté! Idiot! J'y étais en plus! Mais non! Elle est idiot par contre. Sur ce coup-là. Je reste. Mais pourquoi il monte? C'est incompréhensible! Je reste où je suis et il bouge! C'est pas possible! Regarde, on va essayer de s'arrêter. Par contre, dès que. Reste là. On a tout notre temps. Pourquoi j'ai monté? Bon, mes amis, je pense qu'on va. Après ce niveau, on s'en arrêtera parce que là, on fait des faits, il est un peu monstrueux. On aurait pu déjà être déjà au niveau 4. Ça me saoule. Rester à l'écart. Oh, ça chauffe. On a eu très chaud, mes amis. On a failli se faire avoir. Rester là. On va patienter. J'ai plus envie qu'un fail m'arrive. Oh! Bon, ça, bon. Ça, c'est fait. On n'a plus qu'à attendre que les trucs se. C'est une grosse blague! Mais non! J'ai été beaucoup trop lent. Ah non, mais des fois, je le fais aussi exprès, je me dis. Des fois, je me dis, est-ce que je suis exprès ou quoi? C'est un peu bizarre, des fois. T'arrêtes de bouger! C'est pas bien, Todd. C'est bon, on est assez synchrone, ça va.
Voilà, on est bon. Bon, après ce niveau, on s'en arrête parce que j'en ai un peu marre. Je vous jure. Je pense qu'on aurait pu avoir le temps d'aller jusque-là, mais j'ai voulu m'arrêter, on sait jamais ce qui peut m'arriver. Voilà, là, non, c'est bon. On n'a plus qu'à attendre que la dernière case apparaisse. Et voilà! Ah bah ce niveau c'était encore pas du gâteau hein, même si j'ai fait pas mal de fails. Bon mes amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode numéro 8. Malheureusement, même si on a encore fait pas beaucoup de choses. Bon, on fera la suite dans le prochain épisode mes amis. Vous inquiétez pas, dans le 9e épisode qui arrivera lundi. J'espère que ce 8e épisode du spécial sur Capitaine Todd Treasure Tracker vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner. N'hésitez toujours pas à me suivre sur TimeNote, c'est super important car... dès demain après-midi, j'actualise mon time note, donc vous pourrez revoir toutes ces vidéos que je vais refaire durant la semaine qui va venir. Donc j'ai surtout regardez sur time note, hein, c'est super important. Et du coup, mes amis, restez. Du coup, moi, je vous laisse et surtout restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Valentin. Bye tout le monde.